Saluto della provincia regionale di Messina, la dottoressa Anna Maria Tripodo, il capo ufficio stampa, per la loro da noi sentita sempre vicinanza e collaborazione. E per la loro presenza desidero ringraziare il professor Renzo Cadassini per molti anni preside della facoltà di veterinaria dell'Università di Messina, e l'assessore, per me sempre assessore del comune di Messina, Salvatore Megazzù, e il past president del Chimanes Ferberolo, Andrea Bonia, e il professore Santoro, che ricordo con piacere il mio professore quando ero iscritto in medicina, e il professor Giovanni Castolina, tutti i promotori incomiabili di pregevoli eventi culturali qui a Messina. E ancora Davide Ferrara, vicepresidente del Consiglio Sicilia, Rosaria Landro, coordinatrice del Comune Messina, e tutti i colleghi della provincia qui presenti per la simpatia con cui ci seguono. Un sincero ringraziamento va ancora ai giornalisti qui presenti, e infine un ringraziamento particolare alla dottoressa Carmelina Zampaglione, che è nata nella regione francese della Lorena, storica, e che farà del tempo il nostro ospite francese. Cedo la parola al nostro presidente Giovanni Ciuto. Ma io ti ringrazio molto, Antonio, e ringrazio ovviamente la signora Rosaria Landro per avermi dato la possibilità. E sì, certamente ringrazio e benvenuto a tutti quanti, indubbiamente. E, come dire, sono felice di poter rivolgere un saluto da parte del Presidente della Provincia, in relazione ad un evento, visto che va sempre più aumentando il numero delle persone che sono invitate. Sono molto felice di partecipare a questa conferenza e ringrazio tutti i partecipanti. Et plus particulièrement, bien entendu, les organisateurs. In particolare gli organizzatori. Ainsi que, bien sûr, le président de la région. Et chiaramente il presidente della provincia. Pour lequel je le rejoins tout à fait quand il dit qu'il faut avoir un certain scepticisme. Sono d'accordo con lui quando dice che bisogna avere un certo scetticismo. Ce scepticisme, je l'ai encore. Ma ce l'ho ancora, questo scetticismo, dopo 30 anni. Mon imagination n'a jamais été le point directeur de ma vie professionnelle et personnelle. Il punto direttivo della mia vita professionale e personale non è mai stata la fantasia. Je suis un citoyen. Sono un cittadino. Qui est un scientifique. Qui è uno scienziato. Et qui essaye d'apporter des réponses. Et qui cerca di portare le risposte. À une énigme. Un énigme. D'entre nous se pose. Che molti tra di noi si pongono. La science aujourd'hui nous permet d'apporter des réponses. La scienza oggi ci permette di portare delle risposte. Et je vais vous exposer le résultat d'un travail qui dure depuis 30 ans. E vi esporrò i risultati di un lavoro che dura da 30 anni. Qui j'espère vous permettra de répondre à ces questions. E che spero permetterà di rispondere a queste domande. Et merci de m'accueillir parce que c'est une première mondiale. Je présente aujourd'hui le travail sur notamment l'affaire de Roswell dont tout le monde a entendu parler, mais personne ne sait ce qui s'y est passé. Ringrazio di accogliervi perché qua sto presentando un'esclusiva mondiale, perché dell'affare Roswell tanti ne parlano, ma nessuno sa cosa è successo veramente. Et merci de votre attention et de votre écoute. Grazie per ascoltarci. Allora, oggi pomeriggio l'ufologia sarà un tema predominante, per questo motivo ascolteremo le relazioni di due illustri studiosi che hanno dedicato grande parte della loro vita e dei loro interessi alla ricerca ufologica, contribuendo non poco anche alla divulgazione della stessa. Cosa dire di questa conferenza? Immaginate voi di cosa si può provare ad avere a fianco, da un lato, un fisico francese che ha lavorato nel CNES, che è l'agenzia spaziale francese che corrisponde, diciamo, all'agenzia spaziale americana della NASA. È un fisico francese che da prima è stato sempre molto scettico sul fenomeno UFO, come ha già detto, e che poi per le indagini e per le prove raccolte diviene uno dei più grandi sostenitori dell'ipotesi extraterrestre per la spiegazione del fenomeno UFO. E dall'altro lato un ufficiale superiore dell'aeronautico militare a riposo,
ma anche nel 76 Field Investigator dell'APRO, uno studio, un gruppo di ricerca sul fenomeno UFO a Tucson in Arizona, e che già altre volte è stato nostro grandissimo ospite, e quindi insieme esplorando delle novità in questo argomento, è una combinazione, un mix davvero straordinario. Adesso mi tolgo dal centro, scusate che forse qualche immagine è passata, avrei visto fra le immagini quelle relative a uno dei nostri ospiti durante alcuni convegni e quelle della locandina, ecco, della conferenza tenuta ieri, organizzata dal CUN Sicilia, ieri a Catania in compagnia dei nostri relatori. E vi dico dunque che abbiamo il piacere di avere qui con noi il dottor Attilio Consolante, come già detto, ufficiale superiore della Nautica Militare Italiana, riposo, ma anche presidente del CUN Sicilia, e che vorrei salutare con un bel applauso. In questa occasione il dottor Consolante ci parlerà del rapporto Cometa, che rappresenta un documento ufficiale francese sul fenomeno UFO, caldeggiato nel 99 dall'allora presidente Jacques Chirac e dal primo ministro Lionel Jospin, praticamente delle correlazioni dello stesso con sistemi di sicurezza statunitensi. E poi ormai lo sapete, abbiamo un ospite d'eccezione internazionale che, aggiungo cosa importantissima, rilascerà qui a Messina delle conclusioni inedite in anteprima mondiale sul famosissimo caso Roosevelt nel New Messico. Arriva dalla Francia il dottor Jean-Jacques Velasco, fisico ingegnere ottico, già membro del Centro Nazionale di Studi Spaziali, CNES, già direttore dell'ente governativo della Francia per lo studio degli UFO, il GEPAN, cioè praticamente il gruppo di studio dei fenomeni aerospaziali non identificati, e successivamente del SEPRA, un servizio di esperti sugli fenomeni di rientro atmosferico. Direi di salutare il nostro ospite con un caloroso applauso. State vedendo adesso nelle foto del CNES, cioè questo centro spaziale francese, dove appunto ha lavorato il dottor Jean-Jacques Velasco, dove si sviluppano progetti spaziali per gli astronauti e per telescopi da inviare nello spazio, come quello che vedrete del progetto Corò. In seguito, adesso vediamo degli articoli di giornali, d'Oltralpe, che hanno dedicato al nostro ospite con titoli abbastanza indicativi, come vedete lo studio ufficiale degli UFO in Francia, dal GEPAN al SEPRA, questo extraterrestre, scientific come San Gabriel, cioè gli extraterrestri, gli scienziati cominciano a crederci veramente, e ancora Jean-Jacques Velasco, ogni sorveglia, ci sorvegliano. Per finire, una dichiarazione di Jean-Jacques Velasco, qui le sovni esiste, cioè gli UFO esistono. Ma anche Rai 3 ha dedicato un servizio, che adesso vedrete, sul nostro ospite, sul CNES, nel quale un Velasco più giovane, vediamo se parte il filmato, vedete un Velasco più giovane che vi fa capire da quanti anni lui si dedica a queste ricerche. Da considerare che nel 99 il dottor Jean-Jacques Velasco ha personalmente collaborato alla stesura del rapporto Cometa. Secondo Velasco, la maggior parte dei casi di avvistamento sono dei fenomeni naturali o addirittura degli aeromobili terrestri, ma alcuni invece, circa il 13,5% dei casi, che non sono pochi perché se consideriamo su 1000 casi studiati sono ben 135 che risulterebbero inesplicabili, hanno delle prestazioni di volo così incredibili, così particolari, e che l'ipotesi extraterrestre è la più plausibile. Inoltre, il fatto che queste osservazioni sono state fatte maggiormente in siti militari nucleari, di potenze nucleari come sono gli Stati Uniti o la Francia, significa che gli UFO, secondo Velasco, hanno una effettiva correlazione con questi esperimenti, con questi siti nucleari, con queste attività militari nucleari. Infatti, il ricercatore francese ritiene possibile un monitoraggio di intelligenze aliene che controllano da tempo, se non da sempre, le attività umane indubbiamente pericolose come sono quelle nucleari. Come già questo dibattuto in un convegno recente fatto in America da ex militari,
E come fu ipotizzato da un diplomatico italiano del 56, Alberto Perego. Allora, siamo quindi visitati da astronavi aliene che controllano da tempo, se non da sempre, il nostro non sempre responsabile operato. Siamo quindi, nel suo primo intervento, dal titolo UFO, realtà del passato, il nostro ospite francese tratterà di questi argomenti. Passo la parola quindi al dottor Jean-Jacques Velasco. Prego. L'armata aeronautica. E c'est en 1977 que
le CNES, qui est un organisme civil, a reçu pour mission d'étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Nel 77 il CNES ha ricevuto la missione di osservare tutti i fenomeni non identificati. La plupart du temps, on parle d'OVNI. Molto spesso si parla di UFO. Mais pour les scientifiques, le mot OVNI signifie autre chose que ce qu'il est pour le grand public. Ma per gli scienziati significa, la parola UFO significa un'altra cosa rispetto a quello che è per la gente comune. Pour le scientifique, per lo scienziato, on parle de phénomènes rares. Si parla di fenomeni rari. Ensuite, dans un deuxième cadre, on parle de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Oppure di fenomeni aerospaziali non identificati. Et enfin, dans un troisième temps, on ne peut parler d'OVNI que lorsque l'on a pu mesurer physiquement un phénomène, lorsqu'il est observé par un ou plusieurs témoins. Si può parlare di UFO solo se si è individuato un oggetto che è stato comunque visto da uno o più testimoni. Ce dernier cas est extrêmement rare. Che è un caso molto raro. Car il faut, pour pouvoir déterminer la présence d'un OVNI, répondre à plusieurs données. Per effettivamente determinare la presenza di un UFO bisogna rispondere a vari dati. Des faits avérés, c'est-à-dire des événements avérés. Occorre che ci siano dei fatti che siano successi realmente. C'est-à-dire que c'est pas la presse ni les journaux ni les livres qui vont rapporter les événements. Non tramite stampa o libri. Questi non sono prove. Ça suppose des données officielles. Occorrono dati ufficiali. Par des rapports, des photographies, des traces, des données radar. Rapporti, fotografie, tracce. Et enfin, une méthodologie d'étude scientifique. E anche la metodologia di studio che deve essere scientifica. Cette méthodologie, on va l'appliquer, donc c'est l'élément que vous avez ici. Ed è questa metodologia che qua applichiamo. Alors nous considérons, lorsqu'on reçoit un rapport de gendarmerie ou de pilote, quando riceviamo una relazione della gendarmeria o da parte dei piloti, nous allons effectuer une analyse. Bisogna fare una cernita, un'analisi. Qui va permettre de classer le phénomène en différentes catégories. Che ci permetterà di classificare il fenomeno in queste categorie. Les phénomènes qu'on peut parfaitement identifier, météorologiques, ballons, etc. Quelli che si possono perfettamente identificare come i fenomeni meteorologici, ad esempio palloni. Là on a toute l'information pour le vérifier. Là c'è tutta l'informazione per verificarlo. La classe B, c'est les phénomènes probablement identifiés, mais il manque un petit quelque chose pour pouvoir dire que c'est avec certitude un phénomène. Poi la classe B corrisponde agli eventi che sono probabilmente identificati, ma manca un piccolo elemento per poter dire che sono perfettamente identificati. La catégorie C, c'est la catégorie pour laquelle les témoins n'apportent pas suffisamment d'informations pour pouvoir faire une classification. La terza categoria ci corrisponde a quello quando i testimoni non portano abbastanza elementi per poter classificare questo evento. Enfin, la classe D, c'est la dernière, celle qui provoque le plus de réactions. La classe D provoca più reazioni di tutte le altre. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments pour vérifier la validité des témoignages, des traces, etc. Et malgré les recherches, on n'arrive pas à identifier le phénomène. On ne sait pas ce que c'est. Perché abbiamo tutti gli elementi per identificare l'evento, però nonostante tutte le ricerche non riusciamo a capire di cosa si tratti. Alors je vous l'expliquais précédemment, c'est principalement sur les cas aéronautiques que nous pouvons peut-être déterminer la réalité de ces événements. Allora, è sui casi proprio dell'aeronautica che potremmo, che possiamo realmente vedere la realtà di questi eventi.
Tout à l'heure, vous avez vu un film vidéo sur l'affaire de Trans en Provence. Avete visto la video sull'affare di Trans in Provenza. Le problème de l'affaire de Trans en Provence, c'est que nous ne pouvons pas le classifier comme un cas d'OVNI. Questo caso non può essere classificato come un caso UFO. Parce qu'il n'a pas été détecté comme objet volant. Perché non è stato identificato come oggetto volante. Il a laissé des traces au sol. Ha lasciato delle tracce al suolo. Qui sont inconnues. Che sono sconosciute. Mais il n'a pas été enregistré comme objet volant. Ma non è stato registrato come oggetto volante. Alors pour les cas aéronautiques, c'est plus simple. Parce que nous avons des témoins qui sont les pilotes, indépendants dans leur cabine, militaire ou civile. Per i casi dell'aeronautica è molto più semplice perché abbiamo dei testimoni, cioè piloti che sono all'interno dell'aereo. Può trattarsi di un aereo militare o civile. Ils font un rapport aux autorités. Fanno un rapporto all'autorità. Et dans un certain nombre de cas figure, on a des données radar qui nous permettent de vérifier. E spesso abbiamo anche dei dati radar che permettono di verificare queste testimonianze. On a commencé à percevoir des phénomènes curieux au moment de la Deuxième Guerre mondiale avec ce qu'on appelle ici les Foo Fighters, qui étaient des boules lumineuses qui accompagnaient les avions de chasse. Abbiamo cominciato a vedere questi eventi curiosi durante la Seconda Guerra mondiale. Donc en France, nous avons recueilli depuis 1951 jusqu'à aujourd'hui. Dal 51 fino a oggi in Francia c'è stata questa raccolta. 140 cas d'observation aéronautique, civile et militaire. 140 casi di osservazione aeronautica, civile e militare. On arrive à la classification de 11% de phénomènes en catégorie D. 11% di fenomeni in categoria D. Et ce qui nous a permis de faire une dizaine d'enquêtes sur l'ensemble des cas. Et abbiamo potuto così fare una diecina di indagini sull'insieme dei casi. Et il y a un cas d'OVNI qui a été recensé qui date donc de 1994. Et nel 94 si è censito un caso di UFO. Là vous avez la répartition sur le nombre d'années. Questa è la ripartizione. Alors la répartition en termes de classification, ça nous donne ce camembert. Questa è la ripartizione, quella prima, secondo le classi, le categorie. Questa, le quattro categorie di cui parlavamo prima. Vous voyez qu'on a près de 50% des phénomènes qui sont probablement identifiés. Quindi et quasi 50% dei fenomeni. Perfectement identifié. 70% des phénomènes sont pratiquement identifiables à la lecture du rapport. Et dice que le 70% des cas sont parfaitement identifiables à la lecture du rapport. Alors, quand on regarde en détail les témoignages des catégories B, on voit que les pilotes décrivent des phénomènes tout à fait curieux au niveau des trajectoires. On a par exemple des trajectoires avec changement de direction. Allora, nella categoria B i piloti descrivono molto bene questi fenomeni perché loro fanno notare la differenza, cioè la traiettoria che cambia direzione. On a dei fenomeni di descente, dei fenomeni di montée, fenomeni di discesa, di salita, dei fenomeni che accompagnano gli avioni, fenomeni che accompagnano gli aerei. Et c'est dans cette catégorie qu'on va voir également apparaître d'autres événements. In questa categoria verremo apparire anche altri eventi. Qui sont des perturbations au niveau des instruments. Che sono perturbazioni a livello delle perturbazioni aeree. Dans 3% des cas, on a par exemple les instruments de navigation, c'est-à-dire les compas, les radars. Navigazione, i radar. Qui sont perturbés en présence d'un phénomène. Subiscono perturbazione quando si trovano vicino a uno di questi fenomeni, di questi oggetti. Et dans 5% des cas, on a le phénomène qui est capturé par les radars. E nel 5% dei casi, questo fenomeno di perturbazione è stato catturato dai radar. Alors le cas français qu'on peut considérer comme un cas d'OVNI. Considerato come un caso di UFO.
a eu lieu en 1994. Che si è svolto nel 94. Vous voyez que la création du GEPAN c'est 1977. Il GEPAN si è creato e creato nel 77, è stato creato. Et qu'il a fallu attendre donc à peu près un peu plus de 20 ans pour. E quindi ci è voluto più di 20 anni per arrivare a questa conclusione. Alors les faits sont intéressants puisque le pilote et son équipage ont observé dans le ciel, ils volaient entre Nice et Londres. Tra Nizza e Londra, era il volo tra Nizza e Londra, è molto importante perché si tratta della testimonianza sia del pilota che del suo equipaggio. A un'altitudine di circa 10.000 metri. Che volavano a un'altitudine di quasi 10.000 metri. E a 40 km. A 40 km. Ils ont aperçu un énorme objet sombre dans le ciel, au-dessus des nuages. Hanno visto un enorme oggetto scuro nel cielo sopra le nuvole. Ils ont fait un rapport circonstancié à l'aviation civile qui nous a transmis ce rapport. Hanno fatto un rapporto molto dettagliato che ha trasmesso e che è stato trasmesso poi a loro. Mais l'information qu'ils avaient communiquée n'était pas suffisante pour le classer en catégorie D. Ma il rapporto non era sufficiente, le informazioni raccolte non erano sufficienti per classificarlo nella categoria D. Donc on l'a classé en phénomène qui n'était pas suffisamment riche, donc en catégorie C. Quindi è stato classificato nella categoria C, perché non abbastanza ricco. Et c'est l'armée de l'air qui nous a envoyé ce dossier un an après. È l'armata aeronautica che ha mandato questo dossier un anno dopo. Et là. Et à quel punto? Et à ce moment-là, nous avons reçu les informations radar. Et abbiamo ricevuto le informazioni radar. Et vous voyez ici la trajectoire de l'avion. Questa è la traiettoria dell'aereo. Qui coupe une trajectoire déterminée par le radar. Che taglia questa traiettoria che poi è stata determinata dal radar. Cette trajectoire radar correspond à 52 secondes d'observation radar. Per 52 secondi. Et 2 minutes d'observation visuelle. E 2 minuti di osservazione corrisponde a 2 minuti di osservazione visiva. Le pilote et son équipage ont été retrouvés après de nombreuses recherches. Il pilota e il suo equipaggio sono stati ritrovati dopo numerose indagini. Et le pilote a expliqué qu'il ne voulait pas parler de son témoignage. Il pilota ha spiegato che non voleva parlare della sua testimonianza. Parce qu'on l'aurait pris pour un déséquilibré. Perché l'avrebbero considerato uno squilibrato. Mais à partir du moment où il y avait les radars qui avaient détecté le phénomène et qui montraient la présence de l'objet, il acceptait de faire de témoigner. Ma dal momento in cui i radar provavano la presenza di questa traiettoria, allora a questo punto ha accettato di testimoniare. Alors je précise que c'est très intéressant cette affaire parce que l'avion était au-dessus de la région parisienne et l'objet est à la verticale de Paris. Sì, l'aereo è molto interessante in questo caso perché l'aereo si trovava sopra Parigi e l'oggetto era in quella direzione. La circulation aéronautique est interdite au-dessus de Paris comme toutes les villes. E la circolazione è proibita. È vietata sopra Parigi, sopra ogni città d'altronde. E un objet de 300 mètres de dimension. È un oggetto di 300 metri di dimensione. Qui se déplace à 180 km/h. Che si sposta a 180 km/h. C'est assez peu courant. E non è una cosa di tutti i giorni. Les militaires m'ont avoué que si le phénomène avait duré un peu plus longtemps, i militari mi hanno confessato che se il fenomeno fosse durato più a lungo, on envoyait des avions de chasse pour intercepter l'objet. Avrebbero mandato i caccia per intercettare l'oggetto. Seulement au bout de 50 secondes, dopo 50 secondi, l'objet a disparu soudainement. L'oggetto è scomparso improvvisamente. À la fois des écrans radar et visuellement. Sia a livello visivo che a livello dei radar. Donc ce cas a été analysé, expertisé, on a vu toutes les possibilités, s'il y avait des ballons, des confusions, etc. Non, quindi abbiamo analizzato questo caso, preso in considerazione tutte le possibilità, se si trattava che si trattasse di pallone, e dice no, non. On est vraiment dans la définition
physique d'un objet volant non identifié. Siamo nella descrizione fisica di un oggetto volante non identificato. Donc, comme je vous le disais, les radars peuvent nous apporter des éléments de preuve physique. Quindi i radar possono portarci degli elementi di prova fisica. Alors, y a-t-il eu des cas similaires dans d'autres pays à l'échelle de la planète? Ci sono stati altri casi simili a livello planetario? Les autorités civiles et militaires d'un certain nombre de pays ont fait des rapports comme ça, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et donc, on a pu constituer une base de données de l'ensemble des cas de catégorie D aéronautique. Ogni paese ha fatto un rapporto di quanto è avvenuto nel proprio paese, così si è potuto creare un centro di raccolta dati. Alors, la boucle que vous voyez en bleu, ici, alors, en bleu, elle commence en 1942 et elle se termine à peu près en 2000. Et finisce più o meno nel 2000. Elle représente 1700 cas, elle rappresenta 1700 casi d'observation de catégorie D, di osservazione di categoria D à travers le monde. Attraverso il mondo. Et la courbe en rouge que vous voyez, la ligne ici, invece rossa, qui est à peu près, qui a le même profil, qui a lo stesso profilo, représente les cas de catégorie D avec détection radar. Rappresenta i casi di categoria D, ma con la presenza di radar. Donc on peut considérer que ce sont 170 cas d'OVNI réels, avérés, avec les données officielles. Quindi sì, possiamo dire che questi sono casi avverati di UFO, realmente provati. Et c'est ce que nous allons voir maintenant un peu plus en détail. È ciò che vedremo ora nel dettaglio. Donc, on s'aperçoit qu'il y a 45% de ces cas qui sont observés aux États-Unis. 45% di questi casi sono stati osservati negli Stati Uniti. Un peu plus de 20% en Europe. Un po' più del 20% in Europa. Et 70% de ces cas concernent des avions militaires. E il 70% di questi casi riguardano l'aeronave militare. Et les pics que vous pouvez apercevoir. E i picchi che si possono vedere, comme celui-ci, come questo, celui-ci, celui-ci. Questo e questo, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de vagues. Sono fenomeni di onda. Et la principale vague d'observation a eu lieu en 1952. E nel 1952 c'è stata la principale onda di osservazione. Où on a plus de 30 cas d'observation d'OVNI à travers le monde aéronautique. Abbiamo avuto più di 30 casi attraverso il mondo di casi sempre. Quand on reprend l'ensemble des caractéristiques, comme on l'a fait pour les cas français, au niveau des cas d'OVNI visuel radar, quando riprendiamo i casi, on va étudier les vitesses, l'altitude, les distances et la durée de contact radar. Si studiano sia la velocità, l'altitudine, la distanza e la durata del contatto radar. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de ces caractéristiques ne sont pas compatibles avec l'évolution des aéronefs. Et ci rendiamo conto che la maggior parte di queste caratteristiche non sono compatibili con l'evoluzione delle aeronave. Notamment sur les vitesses. Specialmente per quanto riguarda la velocità. Puisque nous avons des données à vitesse qui dépassent par exemple Mach 3. Mach 3, ça correspond à 3500-3600 km/h. 23 corrisponde à 1300-1600 km/h. Or, il n'y a aucun avion, y compris aujourd'hui opérationnel, militaire, qui dépasse les 2500 km/h. C'est donc quelque chose qui va plus vite que les avions de chasse. Et nessun aereo, sia civile che militare, oggi va oltre i 2500 km/h. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comparer. Ma dobbiamo fare il paragone. Le vol de ces objets avec les témoignages des pilotes. Con le testimonianze dei piloti. Et là, on a des choses tout à fait étonnantes. Et ci sono cose veramente sorprendenti. En particulier, on constate que souvent il y a une neutralité des objets par rapport à l'avion civil. Sì, c'è questo fenomeno di neutralità da parte degli oggetti rispetto agli aerei. Mais en ce qui concerne les avions militaires. Quanto riguarda gli aerei militari, on va avoir des caractéristiques tout à fait curieuses. Ci
sono caratteristiche veramente curiose, particolari. Par exemple, les phénomènes accompagnent les avions, font des rotations autour. Ad esempio, dei fenomeni quando questi oggetti accompagnano gli aerei, quando girano intorno all'aereo. Des approches en quasi-collision. Degli approcci quasi di collisione, di scontro. Et dans 3% des cas. E nel 3% dei casi. Il est mentionné des combats avec les objets. Addirittura dei combattimenti con gli oggetti. Alors, je vais maintenant vous présenter des cas aéronautiques. Vi presenterò dei casi sempre dell'aeronautica. Qui confirme un petit peu tous les éléments que je viens de vous donner. Che confermano tutti gli elementi di cui ho parlato. Ils ont chacun eu lieu à des périodes différentes. Ognuno ha avuto luogo in momenti diversi. Et concerne à la fois des avions civils et des avions militaires. Et si tratta sia di aerei civili che militari. Alors, auparavant, je voulais juste vous montrer un document. Però prima vi voglio far vedere un documento. Qui montre que dès 1953, les autorités militaires américaines. Che dimostra che nel 53 le autorità militari americane. Avaient monté sur les avions de chasse. De type F-94. Sì, sugli aerei di caccia avevano montato, installato. Ils avaient monté des caméras. Delle telecamere. De manière à pouvoir filmer éventuellement les objets. Per poter filmare, riprendere gli eventuali oggetti. Et ce document est le seul document officiel qui montre la présence sur les caméras de disques qui étaient pris par les caméras. E questo documento è l'unico documento ufficiale che mostra, che fa vedere quello che le telecamere hanno ripreso. Alors le cas que je vous présente maintenant c'est celui du ce qu'on appelle le carousel de Washington. Io vi presenterò adesso il caso del carousel di Washington. Il est intéressant parce qu'il se présente dans la fameuse vague de 1952. Si presenta proprio nella famosa ondata del 52. Et il concerne à la fois des avions, c'est une observation qui a eu lieu à la fois au sol et dans les cieux. Qui a avuto luogo sia a terra che nei cieli. Au-dessus du Capitole, comme vous le voyez ici la photo, elle montre un ensemble de points lumineux qui sont au-dessus du Capitole. Ecco, sopra il Capitole vedete questi punti luminosi. Mais également la photographie d'un écran radar. Qui montre un ensemble de points lumineux détectés par les radars. Et anche il radar mostra questi puntini luminosi. Alors, à une semaine d'intervalle, c'est produit à peu près le même phénomène, le même scénario. Et dopo una settimana si è riprodotto la stessa scena. Des pilotes civils observent ces points lumineux à côté des avions. I piloti civili hanno osservato questi punti luminosi proprio accanto agli aerei. Le contrôle aérien confirme. La présence. Il controllo degli aerei proprio, il controllo di terra ha confermato con i radar la presenza di questi punti luminosi. Et de la base d'Andrew à côté, on fait décoller les avions de chasse. E dalla base partono i caccia. Et quand les avions de chasse arrivent à côté des points lumineux, ben ils ont disparu. E quando i caccia arrivano vicino, si avvicinano a questi punti luminosi, i punti luminosi scompaiono. Alors, le scénario s'est répété plusieurs fois dans la même soirée. Però questa scena si è ripetuta più volte nella stessa serata. E 8 giorni dopo, la même chose. E 8 giorni dopo, la stessa cosa. Alors, les autorités américaines ont décrété que c'était des phénomènes de température. E allora gli americani hanno decretato che si trattava di fenomeni di temperature. Le problème, c'est que les avions de chasse et les radars qui observaient les points. N'ont pas eu la même impression. Però dice che i piloti che erano sia sugli aerei civili che sui caccia non hanno avuto la stessa impressione. Le deuxième cas que je vous présente est très intéressant parce qu'il va nous permettre de voir qu'on a mesuré très précisément dans ce cas présent à la fois l'évolution de l'objet, mais également quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent, à savoir une émission électromagnétique provenant de l'objet. Quand je dis émission électromagnétique, c'est par exemple quand vous avez un four à micro-ondes, je prends cet exemple parce que c'est très important,
un four à micro-ondes qui va cuire votre poulet ou votre pizza. Et donc, là, en l'occurrence, on va mesurer des longueurs d'onde qui correspondent à ces mesures. Allora, il secondo caso che ora vi presenterò è molto interessante perché per la prima volta si sono misurate queste emissioni elettromagnetiche che, per capirci, corrispondono più o meno a quelle emesse dal forno a microonde quando cuciniamo qualcosa. Alors cet avion, c'est un avion de contre-mesure électronique militaire. Questo è un aereo di contromisura elettronico militare. Et il a été accompagné par un objet ou plusieurs objets pendant pratiquement plus de 2 heures. Qui est stato accompagnato da un oggetto o da più oggetti per quasi 2 ore. Alors l'objet est passé devant, derrière, au-dessus, il tournait. L'oggetto andava sopra, sotto, di lato. Il disparaissait. Scompariva. Et l'intérêt, c'est qu'on a pu, avec les radars au sol et les radars à bord de l'avion, déterminer parfaitement la trajectoire de cet objet. Et on a mesuré sa fréquence d'émission. Ecco, grazie al radar abbiamo potuto vedere tracciare la traiettoria, grazie ai radar sia sull'aereo che quelli che erano al suolo, sia tracciare la traiettoria che misurare le emissioni elettromagnetiche. Maintenant, je vais vous présenter un cas d'un avion civil. Un altro caso però di aereo civile questa volta. Qui lui est également exceptionnel parce que il concerne un objet che è eccezionale pure perché riguarda un oggetto qui ne correspond pas à ce que l'on peut s'attendre. Che non corrisponde a quello che di solito ci si aspetta. Le pilote de ce Boeing. Il pilota di questo Boeing était en approche, enfin était au-dessus de Fairbanks en Alaska. Era sopra Fairbanks in Alaska. Et il signale à la tour de contrôle qu'il a devant lui un objet de la dimension d'un gratte-ciel. E segnala la torre di controllo che davanti a lui c'è un oggetto che è grande quanto un grattacielo. Bien évidemment, la tour de contrôle regarde immédiatement les écrans radar et observe effectivement la présence d'un énorme objet qui est devant l'avion, à peu près une distance d'une dizaine de kilomètres. La torre di controllo verifica sui radar e effettivamente rileva che c'è un oggetto davanti all'aereo in una distanza di quasi una decina di chilometri. Alors cet objet a accompagné l'avion pendant à peu près une trentaine de minutes. Per 30 minuti questo oggetto ha accompagnato l'aereo. Et à bord de cet avion, les pilotes et copilotes ont eu des perturbations au niveau de leurs instruments. E all'interno dell'aereo ci sono state delle perturbazioni a livello degli strumenti. Enfin, le dernier cas sur lequel je voudrais évoquer là aussi un phénomène tout à fait étrange. Ultimo caso sul quale vorrei evocare un fenomeno di particolare. C'est un phénomène qui s'est déroulé en 1976 à Téhéran. Che ha avuto luogo nel 76 a Téhéran. Où il s'agissait de deux avions de chasse américains. Di due caccia americani. Et comme à l'époque les Américains étaient présents en Iran. Perché gli americani erano presenti in Iran. Il y a eu un rapport qui a été fait aux autorités notamment par les services de contre-espionnage américains. Sì, c'è stato un rapporto che è stato fatto dai servizi di controspionaggio americani. Et donc les pilotes de l'armée de l'air iranienne concernés. E quindi i piloti iraniani che sono stati concernati da questa storia. Après la chute du Shah d'Iran. Dopo la caduta del Shah dell'Iran. Ont immigré aux États-Unis. Se ne sono andati negli Stati Uniti et ont pu confirmer e hanno confermato mot pour mot ce qui s'était déroulé ce jour-là en Iran. Parola per parola ciò che fosse successo in Iran quel giorno. Donc il est à peu près minuit donc sur au-dessus de la capitale Téhéran. Circa verso mezzanotte sulla capitale. Va apparaître un énorme disque lumineux. Appare un enorme disco luminoso. Bien entendu, les opérateurs militaires observent ça et décident d'envoyer un premier chasseur. Chiaramente gli osservatori militari l'hanno rilevato e decidono di mandare un caccia. Ce premier chasseur va s'approcher de l'objet à peu près à
a une trentaine de chilometri. Questo caccia si avvicina all'oggetto e quasi a una trentina di chilometri. Il va tenter d'intercepter l'objet. Tenterà di intercettare l'oggetto. Mais en poussant son réacteur au maximum. Spingendo il suo reattore al massimo. L'objet s'éloignait de la même façon. Ma l'oggetto si allontanava sempre alla stessa distanza. Ne pouvant le poursuivre. Non potevano inseguirlo. Il va s'apercevoir à un moment donné que l'objet se précipitait sur son avion. Si accorgono che l'oggetto si precipita sull'aereo. À ce moment-là, il va décrocher pour pouvoir rentrer. E a quel punto decide di fare ritorno questo caccia. On décide d'envoyer un second chasseur, mais cette fois avec l'ordre tiré sur l'objet. Si decide a questo punto di mandare un altro caccia, ma a questo punto con l'ordine di colpire l'oggetto. Le même scénario va se reproduire. La stessa scena si riproduce. Sauf que de ce très gros objet va sortir un objet plus petit. Però da questo grossissimo oggetto uscirà un oggetto più piccolo. Donc le pilote se prépare à armer ses missiles. Il pilota si prepara a mandare i suoi missili. Et à ce moment-là. E a quel punto. Tout son système de tir est bloqué. Tutto il suo sistema viene bloccato. Et il a son système de vision nocturne, puisque c'est la nuit. Et le système visivo notturno, visto che également qui est interrompu, donc il voit rien. È stato interrotto e non vede nulla. Et il est obligé de décrocher. Et quindi è costretto a far ritorno pure. Alors cette affaire, elle vous est connue parce que, en fait, ce n'est pas les mêmes services de l'armée ni de la CIA qui ont communiqué ce dossier. Non è la CIA qui a comunicato questo dossier, non è tramite loro che si è saputo. C'est un service qui s'appelle Afosi, je crois. Qui, et un autre service, dice forse Afosi. Et qui donc a fait un rapport circonstancié. Et qui a fait un rapport détaillé. Et ce rapport a été découvert par des chercheurs américains. Qui est stato scoperto da ricercatori americani. Et comme ils ont pu retrouver les pilotes aux États-Unis. E come hanno potuto ritrovare i piloti negli Stati Uniti. On a pu confronter les. Quindi hanno potuto riscontrare che quello che dicevano i piloti corrispondeva a quello che c'era scritto sul rapporto. Donc pour résumer cette CKR aeronautique, on peut dire que aujourd'hui possiamo per riassumere e dire che oggi on est sûr de la réalité physique de ces phénomènes. Siamo sicuri della realtà fisica di questi fenomeni. Grâce au radar. Grazie ai radar. Et que 11% des cas e che 11% dei casi di UFO sono avvenuti veramente, sono stati dimostrati, indica un carattere controllé e réfléchi de ces objets. Indicano un carattere controllato e riflettuto. Y a-t-il une cybernétique derrière cette question? Y a-t-il une intelligence? Chissà se c'è un'intelligenza dietro queste domande. C'est une question que l'on se pose, mais ce qui est très non lo sappiamo, ce lo poniamo come domanda. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a une sorte de divination de l'intention des pilotes par rapport à ces objets. Però i piloti hanno una reazione quasi divinatoria rispetto a questi oggetti. Donc ça interpelle. Alors on se pose la question, mais si pone la domanda. Pourquoi? Perché? Et dans quel cadre ces phénomènes interviennent? E quando e perché questi fenomeni intervengono? Donc c'est la question qui est posée. E la domanda che viene posta qua. Donc les ovnis sont des objets artificiels contrôlés. Gli UFO sono oggetti artificiali controllati. Dont la nature et l'origine extérieure nous sont inconnues. Di cui la natura e l'origine esterna ci è sconosciuta. Alors pourquoi cette présence? Perché questa presenza? On peut essayer d'aborder cette question. Possiamo cercare di rispondere a questa domanda. À partir de ce qui s'est fait aux États-Unis. Partendo da quello che è stato fatto negli Stati Uniti. En 1947 jusqu'en 1949. Dal 47 al 49. 69, pardon. C'est juste. Oui, non, c'est juste parce qu'il y avait écrit 69. Grâce à des documents aujourd'hui déclassifiés de l'armée de l'air américaine. Grazie ai dei documenti che sono stati scartati dall'armata americana. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 1976. Nel 76.
des citoyens américains ont pu obtenir la déclassification d'un certain nombre de documents qui étaient classés secrets par l'armée américaine. Dei cittadini americani hanno potuto avere accesso ai dei documenti che erano stati che erano dei dossier riservati all'armata americana. Aujourd'hui, il y a à peu près 30.000 documents. E adesso ci sono quasi 30.000 documenti. Qui contiennent toutes sortes d'informations, depuis simplement l'agenda du capitaine de telle base jusqu'à des cas qui sont relatés de cette nature. Che contengono vari casi, dai più banali ai più interessanti. Alors, en examinant toutes ces affaires, esaminando tutti questi casi, on va voir une évolution dans l'attitude des autorités. En 1947, c'è un'evoluzione nell'atteggiamento da parte dell'autorità. Dans un memorandum qui date du 24 septembre, questo del 47, 24 settembre, un memorandum. Un général chargé des renseignements technologiques va indiquer. E un generale che farà presente. Va indiquer que on a affaire à des objets artificiels de forme discoïdale et qui volent à des vitesses supérieures aux avions de l'époque. Che abbiamo a che fare con oggetti di una forma circa come un disco e che volano a una velocità superiore a quella degli aerei. En 1949. Alors qu'il y avait une reconnaissance de ces phénomènes, c'est l'inverse qui se produit. Il y a un déni complet. Alors, est-ce que c'est dû à une affaire dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, qu'on appelle l'affaire Mantell, qui a eu lieu en 1948? Forse dovuta all'affare Mantell che ha avuto luogo nel 48, ne parlerò più tardi. Ensuite, de 1951 à 1966. Et 51-66. On va recueillir 12 000 cas d'observation aux États-Unis et dans le monde dans le cadre du projet Blue Book. Raccoglieremo 12 000 casi avvenuti in tutto il mondo e questa raccolta Blue Book si chiama. Et de 1966 à 1969, une commission de l'US Air Force va apporter ses conclusions sur l'ensemble du dossier. E dal 66 al 69 questa commissione Condon porterà le sue conclusioni sul dossier. Le rapport Condon, donc. Et ce rapport. In questo rapporto. Que ce phénomène ne présente aucun danger pour la sécurité des États-Unis. Viene detto che questo che non c'è nessun pericolo per la sicurezza degli Stati Uniti. E che s'il y a un intérêt scientifique, eh bien que des gens à titre privé s'en occupent. E per chi ha un interesse scientifico e la gente a titolo privato che si deve interessare di questi fenomeni. C'est ce qu'on essaie de faire. Ed è quello che noi facciamo. Donc, comme je le disais, dès 1947, les États-Unis avaient déjà une certaine connaissance sur ces fameux phénomènes. Quindi già dal 47 gli Stati Uniti erano a conoscenza di questi fenomeni. Et en particulier en 1953, ils ont fait une étude statistique extrêmement intéressante. E in modo particolare nel 53 hanno fatto uno studio statistico molto interessante. Qui confirmait en fait ce qui avait été indiqué en 1947 par le général Twining. Che ha confermato quello che è stato detto dal generale nel 1947. E che nous révélait cette étude? Cette étude, elle permettait notamment de voir plusieurs choses. Grazie a questo studio abbiamo visto molte cose. Entre 1947 et 1953. Dal 47 al 53. Il déterminait qu'il y avait à peu près 20% de cas inconnus de phénomènes qui se déroulaient au-dessus des États-Unis. 20% des cas sconosciuti si avvenivano sopra gli Stati Uniti. Je précise que c'était une étude secrète américaine de 1953. Si tratta di uno studio segreto del 53. Mais ce qui était bien plus intéressant, c'est qu'ils ont fouillé cette étude jusqu'à aller dans les États, et en particulier, ils ont fait le rapprochement entre les observations et puis des sites stratégiques. Hanno studiato questi casi e sono andati negli stati che sono stati quindi in questa raccolta e hanno fatto il rapporto tra i siti dove sono avvenuti tutti questi fenomeni. Alors ils ont constaté la présence de ces phénomènes, de ces objets,
au-dessus des endroits où on lançait les fusées V2 qui avaient été récupérées en Allemagne, au-dessus des sites où on fabriquait la bombe atomique, si. Au-dessus des sites où il y avait des bases aériennes où la bombe atomique était lancée. Quindi avvenivano ecco, vicino ai siti dove si costruiva, ad esempio, la bomba atomica, dove c'erano siti militari. Alors j'ai voulu vérifier ce dernier point. Et quindi ho voluto verificare quest'ultimo punto. Et en particulier, pour cela, je me suis appuyé sur une étude réalisée par le Sénat français. Et quindi mi sono appoggiato da uno studio realizzato dal Senato francese. Qui prenait en compte. Che teneva in considerazione. L'ensemble des essais nucléaires, atmosphériques et souterrains dans le monde entier. Che teneva conto di tutti gli esperimenti nucleari che sono stati fatti nel mondo intero, sia gli esperimenti sopra la Terra che sotterranei. Alors la courbe que vous voyez ici, qui démarre en 1945 et qui s'achève en 1978. Quindi dal 45 al 78. Avec des essais plus ou moins importants. Quindi con degli esperimenti importanti. Représente 540 bombes nucléaire, thermonucléaire, explosant dans l'atmosphère. Rappresenta 500 bombes esplose nell'atmosfera. Lancées par les États-Unis. Che sono state lanciate dagli Stati Uniti. L'Union soviétique. L'Unione sovietica. La France, l'Angleterre, etc. La Francia, l'Inghilterre, etc. Ce que vous voyez ici, ça représente à peu près 4-5 ans. Avec un maximum de 110 essais nucléaires en 1963, entre 61 et 63. Tra 61 et 63, circa 110 esperimenti nucleari. Il y avait une explosion tous les 3 jours. Ogni 3 giorni c'era un'esplosione. À partir de 1960, dans ces années-là, les Américains et les Soviétiques ont décidé de faire des essais souterrains. Dal 60 sia gli americani che l'Unione Sovietica hanno deciso di fare gli esperimenti sottoterra. Ils ont réalisé ainsi que la France, l'Angleterre, etc. Ma pure Francia e Inghilterra. 1800, ce qui fait un total. 1800. Ce qui fait un total de 2400 essais nucléaires dans le monde entier. Quindi 2400 esperimenti nucleari nel mondo intero. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai rapporté sur ça la courbe des observations d'OVNI. Et quindi ha sovrapposto le osservazioni di questi oggetti dell'UFO, di questi oggetti non identificati. Et on constate que cette courbe. E constatiamo che questa linea ha à peu près le même profil que les essais nucléaires. Corrisponde al profilo degli esperimenti nucleari. Avec un décalage d'à peu près 2-3 ans dans le un peu plus de 2-3 ans dans le temps. Con uno scarto di quasi 2-3 anni nel tempo. Cette courbe indique donc qu'il y a peut-être une relation, ce qu'on appelle une corrélation entre le nucléaire et la question des ovnis. Quindi forse c'è una relazione, una correlazione tra il nucleare e la presenza degli oggetti non identificati. Alors maintenant, je vais vous présenter juste deux cas pour terminer. Vi presenterò altri due casi per concludere. Qui illustrent parfaitement ce que je viens de vous montrer. Che illustrano perfettamente ciò che ho appena detto. Mais je voudrais auparavant que vous lisiez cette phrase d'Oppenheimer qui est le père de la bombe atomique. Ma vorrei prima che soffermarmi su questa frase di Oppenheimer che è il padre della bomba atomica. Adesso sono diventato un compagno della morte, un distruttore dei mondi. Sì, queste parole mi risalirono alla mente istintivamente e ricordo anche il sentimento di pietà profondo che provai. Cette phrase est très significative de ce qu'était cet homme. È molto significativo di ciò che era quest'uomo. Qui à la fois a porté la mort et la destruction. Che ha portato morte. Mais aussi qui a pris conscience. Ma che ha anche preso coscienza de ce que l'humanité pouvait subir di ciò che l'umanità poteva subire par l'irresponsabilité dovuta all'irresponsabilità collettiva dei militari e dei politici. L'incident de Maynard donc date de 1968. L'incidente ora è Maynard, il indique un avion B-52. Si tratta di un aereo D-52
Qui est un bombardier, et donc ce bombardier a été envoyé au-dessus d'un silo qui contenait des fusées Polaris avec des missiles nucléaires. Qui è stato mandato su un silo che conteneva razzi, vicino a razzi. Qui est complètement incompréhensible, on n'envoie jamais un bombardier nucléaire au-dessus d'un missile nucléaire. Ciò che non ha senso perché non si manda un bombardier nucleare sopra un missile nucleare. Insomma, si passa quelque chose. Però è successo qualcosa. Et au-dessus du silo, sopra questo silo, il y avait un énorme objet lumineux qui était stationnaire à peu près à 3000 mètres d'altitude. C'era un enorme oggetto luminoso stazionario a circa 3000 metri di altezza. Et on a ordonné B52 de tourner autour de l'objet. E questo B52 doveva girare intorno all'oggetto. Alors ça a duré à peu près 20 minutes. Per circa 20 minuti questi giri. Et au bout de 20 minutes, dopo 20 minuti, l'objet est parti dans le ciel à une vitesse exceptionnelle. L'oggetto si è diretto verso il cielo a una velocità eccezionale. Et à ce moment-là, toutes les communications radio du B52 ont été coupées, tous les instruments ont été perturbés. E a quel punto tutte le comunicazioni delle B52 sono state bloccate e tutte le perturbazioni. Donc l'avion est reparti sur la base. L'aereo ritorna alla base. Mais la Terre s'est pas arrêtée là. Ma non è finita qui. Parce que dans le bunker de contrôle des missiles. Perché nella base di controllo dei missili. Toutes les alarmes étaient allumées, c'est-à-dire qu'il y avait une anomalie. Tutte le spie luminose di allarme erano illuminate. Qui mettait en fait en risque le silo avec la fusée nucléaire. Con il razzo erano in pericolo. Une patrouille va aller sur place. Una pattuglia si recherà sul posto. E là, avec grande surprise, ils vont constater que le couvercle du silo était ouvert. E hanno visto che il coperchio del silo era aperto. Alors, il y avait un altro coperchio. Ed è stata una gran sorpresa perché non c'era nessun motivo perché fosse aperto. E c'è un couvercle qui pesa 20 tonnes en béton armé. È un coperchio che pesa 20 tonne. Alors, cette affaire, pourquoi on la connaît? Parce que dans le cadre des documents déclassifiés, parmi les documents du rapport Blue Book, il y avait une ligne, simplement. C'erano solo due righe di questo evento nel rapporto. Il y a une copie de tous ces rapports. Una copia di tutti questi rapporti. Qui contenait le nom des pilotes. Che conteneva il nome dei piloti. Et donc des enquêteurs privés sont allés voir les pilotes en question. Et on a retrouvé 20 témoins. Et hanno trovato 20 testimoni. 14 au sol et 6 dans l'avion. 14 sulla terra e 6 nell'aereo. Ils ont tous confirmé. Hanno tutti confermato. Les faits. I fatti. Et il y en a même qui ont fourni les images radar. Et hanno anche fornito le immagini radar. Et à la maison, je possède le rapport complet de 190 pages sur cette affaire. E a casa io ho il rapporto completo di 110 pagine su questa affare. Alors cette affaire, je la considère comme certainement étant une des plus importantes car elle montre à la fois la présence de l'objet, mais aussi peut-être quelque chose qui est significatif dans la relation entre l'objet et puis la considero questa affare molto importante perché forse spiega o dimostra una relazione tra gli oggetti non identificati e gli esperimenti nucleari. Une simple remarque. Si à Téhéran, en 1976, on envoie la chasse sur un objet, se si manda a Téhéran un caccia su un oggetto, c'est parce qu'on ne connaît pas la réaction des objets. E perché non si conosce la reazione che potrebbe avere l'oggetto? Si en 1968, aux États-Unis, au-dessus d'un silo nucléaire, on envoie un bombardier au Manchester, c'est parce qu'on connaissait le risque. Perché si è la conoscenza del rischio. Un deuxième incident, celui-là qui est plus connu des brigades, c'est l'incident de Maston, je ne vais pas en parler, mais parce qu'il y a à peu près le même. Un altro incidente che è conosciuto maggiormente da
quasi lo stesso. Des incidents comme ceci, il y en a eu à peu près une quinzaine. Una quindicina di questi incidenti si sono avvenuti. Et seuls quelques-uns nous sont parvenus aujourd'hui à notre connaissance. E solo alcuni sono a conoscenza del pubblico. Alors, on peut se poser des questions quant à savoir si ces phénomènes sont attirés par quelque chose. Est-ce que quelque chose... Ces phénomènes sont attirés par quelque chose, et la demande que ci poniamo. Et ce quelque chose, c'est sans doute un rayonnement électromagnétique. Et probablement, si tratta di onde elettromagnetiche. Nous, aujourd'hui, quand on a des satellites qui essaient de détecter des explosions d'étoiles dans le cosmos, abbiamo oggi dei satelliti che cercano di rilevare le esplosioni di stelle nel cosmos. On cherche avec des instruments de mesure à détecter certaines longueurs d'onde. Perché noi vogliamo rilevare le lunghezze d'onde. Alors on peut se poser la question, est-ce que ces objets qui viennent ne sont pas en fait des espèces de sondes qui viennent détecter... Forse allora questi oggetti potrebbero essere delle sonde che vengono a rilevare le rayonnement émis par les ondes atomiques. Quello che emette la bomba atomica. Qui observe l'évolution technologique de la Terre entre la période de 1945 et la période de 1978, il y a eu pendant toutes ces décennies des signaux qui ont été émis par la Terre et qui ont peut-être été captés par les sondes. Forse i segnali che sono stati emessi dalla Terra dal 45 al 78 sono state forse rilevate dall'atmosfera, dal cosmos. Alors la question qui vient bien sûr à notre sens à la fin de ce temps d'exposé, c'est la domanda che nasce spontanea a questo punto. Serions-nous seuls dans l'univers? Donc ça c'est la question qui est posée derrière tout ça, parce que si ces phénomènes n'appartiennent pas à une catégorie d'objets artificiels que nous sommes capables de créer, donc des avions, des sondes particulières. Ça veut donc dire qu'ils viennent d'ailleurs. Et donc, la deuxième question qui se pose derrière, c'est est-ce que ces mêmes objets qui sont sous contrôle, qui sont en cybernétique, qui sont avec une intelligence particulière. Alors, ces objets qui sont en cause d'une intelligence particulière. Est-ce qu'ils ne seraient pas présents pour surveiller l'évolution de la Terre en matière. En et en particulier, le danger que peut représenter la bombe atomique. Et en particulier, le danger que peut représenter la bombe atomique. Non seulement pour l'humanité, mais peut-être au-delà. Non solo per l'umanità, ma anche al di là, forse, dell'umanità. Donc, pour en savoir plus, c'est peut-être. Quindi, la domanda è chiara o sotto sorveglianza? Peut-être qu'on aura la réponse un peu plus tard. Forse la risposta è già fra poco. Je vous remercie de votre attention. Vi ringrazio della